Bonjour. Alors, on poursuit dans les activités pédagogiques. Cette fois-ci, on va créer un glossaire. Alors, ajoute une activité pédagogique. On clique glossaire. L'explicatif est évidemment à droite. Et par la suite, on ajoute. Le glossaire est super facile à ajouter. En fait, on va tout simplement le baptiser. Exemple de glossaire. Voici le glossaire que je vous invite à participer. Et voilà. Là, par la suite, on peut toujours le configurer comme d'habitude, à savoir, bon, afficher la description sur la page, glossaire global, oui ou non, le type de glossaire, est-ce qu'on veut que ce soit un glossaire principal ou secondaire. Et là, évidemment, vous allez avoir tout seulement l'explicatif, hein, à savoir, donc, si vous désirez profiter de cette fonctionnalité, vous devez indiquer quel est le glossaire principal, etc. Donc, on va pouvoir distinguer le tout. Et par la suite, les articles, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on souhaite une approbation par défaut ou est-ce qu'on souhaite une approbation par la suite. Donc, autoriser les doublons, est-ce qu'on accepte le tout? Est-ce qu'on autorise les commentaires sur les définitions? Est-ce qu'on active les liens automatiques? C'est toujours intéressant, oui, d'activer justement les liens automatiques, justement pour que ça devienne peut-être un peu semblable à un wiki sans être un wiki. Donc, pour maximiser ou optimiser les liens entre les différents concepts qui seront définis. L'apparence, alors est-ce qu'on veut tout simplement un style dictionnaire ou on veut une liste d'articles, etc. C'est toujours intéressant l'apparence simple du style dictionnaire, justement pour faire très glossaire, mais bon, certains préféreront d'autres aspects. Par la suite, bon, les articles affichés sur une page, combien à la fois, afficher les liens de l'alphabet, etc. Afficher le lien tout, etc. Bref, on configure. On personnalise comme on le souhaite. Par la suite, encore une fois, les paramètres d'évaluation, on le paramètre à notre guise et évidemment, comme d'habitude, les réglages habituels, à savoir les réglages courants et les restrictions de disponibilité. Par la suite, on enregistre et on affiche et voilà, vous obtenez donc l'ensemble des lettres de l'alphabet avec évidemment pour l'instant un glossaire totalement vierge auquel vous pouvez toujours contribuer. Donc en tant qu'enseignant, vous pouvez toujours ajouter de nouveaux articles. Donc on pourrait dire le concept comme étant bonjour, la description, terme pour saluer quelqu'un. On va même préciser terme poli. Pour saluer quelqu'un. Et voilà. Alors, est-ce qu'on souhaite ajouter des termes associés? Est-ce que je souhaite ajouter en annexe des fichiers, etc.? Et j'enregistre les changements. Voilà. Voilà. Donc, dans les B, je me retrouve avec bonjour, tout simplement. Alors, je pourrais ajouter le H. Dans les H, je pourrais ajouter. Tiens, on va ajouter un. Hello. Terme anglophone pour saluer quelqu'un. Voilà, on va être plus précis. Terme associé, on pourrait toujours l'associer à bonjour. Et on enregistre les changements. Voilà. Alors là, évidemment, je suis dans les H, mais si on souhaite donc retourner voir le bonjour, etc. Donc voilà, alors je pourrais continuer encore et encore. Alors chaque enseignant pourrait ajouter justement plusieurs concepts et par la suite inviter les étudiants à poursuivre le tout, parfois à parachever certains concepts prédéfinis ou parfois tout simplement on ajoute certains concepts qu'on trouve plus généraux et on demande seulement aux étudiants de parachever plutôt le glossaire lui-même. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix et toujours les possibilités donc de supprimer ou de modifier en cliquant sur le petit engrenage. Donc, de modifier les concepts définis. Alors voilà, vous avez donc créé votre premier glossaire. Merci.